vous êtes bien sur la bonne fréquence. Et la bonne fréquence, c'est Radio Montmartre sur 90,7 MHz et 103,9 MHz. Oui, mais attention, bientôt, nous ne serons plus que sur 103,9 MHz uniquement. Nous laissons la place à François Verlaine pour son interview à l'Olympia avec Monsieur Fugain. Alors Michel Fugain, si j'en crois le spectacle que je viens de voir avec grand plaisir, il y a la petite bébête qui travaille tous les artistes, qui a fini par t'avoir au bout de 10 ans. C'est-à-dire que t'as craqué, t'es remonté sur scène. Ah oui, je suis remonté sur scène. Ah, c'est pas la bébête. Ah non, faut que je sois honnête. C'est pas la bébête. C'est ça vient du fait que je suis un instinctif. Hein. C'est-à-dire que quand je suis planté dans la bonne terre, je pousse. Quand j'ai pas de terre, tu sais, c'est comme les fleurs de serre, tu les déplaces, tu les dépotes, tu les rempotes. Bon, alors quand t'es pas dans la bonne terre, tu avances pas. Il se passe rien. Tu sais que c'est très amusant ce que tu viens de nous dire, parce qu'on vient de voir avant le spectacle Pierre Delanoë, qui nous a dit Michel Fugain, pour moi, il était en jachère. Et tu reprends l'exemple de la terre, je trouve ça sublime. Mais c'est exactement ça. Alors, on n'a pas parlé avec Pierre, mais je me suis mis en jachère, effectivement, pendant un certain nombre d'années. Beaucoup moins que les gens ne pensent. Enfin, les gens qui sont intéressés par ça. Et beaucoup moins, en fait. Parce que ça correspond à... Il y a 10 ans, je te fais le calcul des 10 ans. Hein, le dernier spectacle, c'est le 28 novembre 78, exactement. Et on est le 1er février, en gros, soit 88. Donc 10 ans après, il y a eu 3 ans d'atelier à Nice. Je suis parti à Nice, je me suis expatrié, c'est-à-dire je suis allé travailler à Nice. Je suis allé monter une école, un atelier école, dans lequel j'ai passé des heures absolument extraordinaires, comme peu de gens ont la possibilité de passer des heures aussi belles. Parce que c'est une autre affaire, c'est un autre moment, c'est des moments intenses, d'échanges intenses, d'énergie dépensée d'une manière qu'on n'imagine pas, avec des mômes qui ont 17, 20 ans, de 16 à 20 ans en gros, qui se cassent, qui s'abîment, qui cassent tous les tabous, qui cassent toutes les carapaces naissantes parce que je leur demande de les casser, et à ce moment-là, t'es obligé de les assister. C'est alors tu fais office de SAMU et va demander aux gens du SAMU ou va demander aux mecs qui sont là autour des accidents s'ils dépensent pas d'énergie, tu vas voir qu'ils en dépensent et je me suis jamais armé contre, si tu veux. C'est-à-dire que ils se faisaient mal et j'étais là pour éponger. Et l'énergie que tu dépenses à ce moment-là, elle est aussi considérable que celle que tu donnes dans un spectacle. Aussi considérable, je dirais même plus. Sauf que quand tu es dans un spectacle, le public te recharge. Alors que dans un atelier, personne ne te recharge. Ils sont là pour te ponctionner. Ils sont là pour te prendre. Ils te volent tout. Je crois que ça, c'est une expérience extraordinaire que tu as vécu, cette école qui te tenait à cœur. Il y avait un moment, je suppose, ça te tenait à cœur de faire ça. C'est venu en même temps que je le faisais. Hein, je ne savais pas au départ ce que c'était. C'est-à-dire que la raison vraiment profonde, ça devait être, je vais faire un bilan. Comment faire un bilan mieux qu'en essayant de dire aux autres ce qu'on sait, hein? Je ne vois pas une meilleure façon. Mais je ne suis pas allé leur dire, attention les enfants, je vais passer 3 ans avec vous parce que je suis en train de faire un bilan. Le bilan, il s'est fait sur les 3 ans. Et ça a donné des moments extraordinaires. Bon, très bien. Donc 3 ans à Nice, je m'arrête 1 an. Je dis... Ok, je suis crevé, je suis mort de fatigue et je m'arrête 1 an. Puis ça a duré 2 ans. Ça a duré 2 ans parce qu'au bout d'1 an, je me suis dit pourquoi j'y retournerai. Qu'est-ce que j'ai à foutre? C'est quoi chanter? C'est quoi chanter de faire des chansons? Ça correspond à quoi? Pourquoi j'irai? Qu'est-ce qu'il y a de tellement essentiel? C'est aussi fait de qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Donc si je fais un rapide calcul, c'est pas 10 ans, c'est 5 ans. Et ça c'est extraordinaire parce que finalement tout le monde a l'impression que ça fait 10 ans. Parce que je crois que quand on aime bien quelqu'un, le temps a l'air de s'allonger. Ça ne fait que 5 ans que tu as décidé d'arrêter. Parce que ça aussi je le dis, c'est pas à toi de le dire.
que tu as décidé d'arrêter. Oui. C'est pas le public qui t'a délaissé. Ah, c'est ou pas qui... une désaffection. Voilà, c'est en pleine gloire. D'ailleurs, Pierre Delanoë nous l'a dit. Tu as arrêté à Lille, je crois, un soir. Oui. Et tu as dit, j'arrête. Oui. Alors, on m'a demandé pourquoi. Dis, je ne sais pas. Ah, si tu peux nous le dire. Pierre a dit, je ne sais pas. Mais Pierre fait partie des gens qui ont passé leur temps à des gens amis, hein, à dire que j'étais un con, gentiment bien sûr, mais en disant il est con, il l'a encore dit quand il est venu l'autre soir. Il a dit mais quel con. Et c'est pas vrai, je persiste à croire que c'est pas vrai. C'est que si on veut être authentique, si on veut être vrai, si on veut, pour être vrai, il faut avoir la dose d'enthousiasme qu'il faut pour être vrai. Quand t'as pas l'enthousiasme, tu fais venir des trucs qui ne sont que des trucs faux et qui sont des masques qui arrivent comme ça et que tu montres. Tu joues les marionnettistes, tu fais bouger le pantin devant toi pour ne pas être vu. Tu fais bouger le même pantin. C'est le principe du comédien type, c'est-à-dire il faut toujours être deux, celui qui fait et celui qui montre. Moi je ne veux pas. Je ne l'ai jamais voulu, je ne le veux pas. Je sais quand je suis fort, je suis fort quand je suis vrai. Je suis fort quand j'ai l'enthousiasme, et quand j'ai pas l'enthousiasme, je me mets dans un coin, je me terre, et je dis ne me regardez pas, ne venez pas voir. Quand j'ai des problèmes, je fais pas appel aux copains, je dis foutez-moi la paix, laissez-moi. De toute façon, d'une manière ou d'une autre, je me ressource et je ressortirai avec la pêche qu'il faut, avec la force qu'il faut, avec l'énergie qu'il faut pour combattre. Mais c'est vrai que j'ai besoin de... Bon, c'est parce que je suis comme ça, hein. J'ai besoin de me terrer. Tu sais, c'est animal, quoi. Après. T'es très pudique. Ouais, mais c'est de la pudeur, mais je dirais c'est de l'instinct. Je me sens plus indien qu'autre chose, moi. Je me sens plus un homme normal qu'un citadin, si tu veux. Poli, et je suis pas poli, en fait. Et pourtant, je crois faire partie des gens les plus polis que je connaisse et des plus agréables à vivre. Non, c'est pas les plus agréables à vivre quand ça va bien. Mais quand ça va pas bien, j'ai pas de raison de me donner en pâture, parce qu'on est toujours donné en pâture aux autres. Oui, ça surtout dans le métier que tu fais, c'est encore pire ça. Non, c'est une solution de facilité pour les gens qui ne font pas mon métier. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. On se donne toujours en pâture. Or, tu as l'énergie et l'enthousiasme pour être toi et pour être bien. Ou c'est parce que tu es bien que tu as ce fameux enthousiasme qui est communicatif, qui fait que dans ton œil est ouvert et ouvert aux autres, que ton cœur est ouvert, que ton âme est ouverte à tout ce qui se présente. C'est parce que tu as la pêche, parce que tu es vachement bien dans ta peau. Et quand tu n'es pas bien dans ta peau, eh ben tu fermes ta gueule. Moi c'est ce que je dis. Hein. Sauf que ce que je crois vrai, c'est qu'il y a des cycles, des grands cycles. Savoir... Un homme peut être bien à un certain moment, et puis parce qu'il évolue, parce qu'il va plus loin, parce que sa réflexion fait qu'il cherche toujours un tout petit peu plus, il y a un moment où il est mal, parce que il était bien, et il y a des données supplémentaires qui sont arrivées, et qui l'ont déstabilisé, mais pas déstabilisé pour le détruire, déstabilisé pour aller plus loin. Or, pour aller plus loin, il est obligé de passer par une espèce d'époque, de période no man's land, si tu veux, qui fait que, d'un seul coup, il est obligé d'assimiler, de se faire, tu vois, d'être en jachère, comme disait Pierre. Hein? C'est l'histoire. Le big, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi? Alors, je vais essayer de répondre calmement à cette question. Le big est un phénomène dans ma vie, hein, et puis dans la vie des gens qui ont aimé le big bazar. On passe toujours. Et il y en a beaucoup. Oui, mais on passe toujours pour un mec prétentieux quand on dit ce genre de phrase. Mais le big était un phénomène sociologique. Tout à fait. C'est-à-dire que ça correspondait exactement à ce que les gens attendaient à un moment donné. C'est-à-dire que le big a été fait par un peuple. Il a été fait, il a été aimé, porté
par un peuple. Nous, on l'a contrôlé parce que dans chaque ville où on passait, dans tous les lycées de France, il y avait un groupe de jeunes gens qui faisaient du spectacle ou qui faisaient quelque chose, ils prenaient les personnages du Big Bazar. Ils prenaient, parce que pour eux, c'était une base. Voilà. Donc, c'est un phénomène sociologique dans la mesure où les jeunes s'y retrouvaient, l'enthousiasme, l'espoir, le machin, l'espoir. Tu sais, actuellement, on a la même chose. Bon, peu importe, on en reparlera tout à l'heure. Oui, les parents étaient assez contents que leurs enfants aiment ce genre de truc. Ils ont aimé les messages qui étaient portés, car ils étaient porteurs d'espoir, effectivement. C'est-à-dire que ça leur donnait la possibilité d'imaginer leur jeunesse, leur enfance, leurs enfants aller vers quelque chose de bien, vers quelque chose de positif, alors que ça n'a jamais été défini. On n'a jamais dit quoi. C'était simplement une espèce de truc fou comme ça. C'était aussi les années 70. Je le replace aussi dans les années 70. Les années 70 étaient des années folles. C'est-à-dire que ça a été l'année, les années des fous. Hein. Tu prends musicalement, je dis bien, en France, il y a eu des mouvements, mais qui étaient moindres que les anglo-saxons, par exemple. Mais chez les anglo-saxons, c'était les années des fous. Il y a eu des monstres. Des monstres, c'était les années des... La folie des déguisements, c'était une chose, mais cette espèce de folie qui a mené la plupart des plus grands à la mort. Oui. Pas l'oublier. Oui, à la mort. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de... Espoir, désespoir, folie, raison, folie, un espèce de match extraordinaire qui fait, et chaque fois qu'on se penchera sur les années 70, on va se pencher sur un problème énorme. Savoir que ce sont des années terriblement productives, créatives. Il y a eu des choses extraordinaires qui sont nées. Attention, et en partant du principe que les années 70 sont nées en 67-68 avec les Beatles, Sgt. Pepper's en étant le point de départ. Hein. C'est le point de départ, oui. Oui, point de départ. Des années comme s'il y aurait un crash derrière, il n'y avait plus rien derrière. Tout à fait. Elles étaient porteurs de tout. Les années 70 ont été porteuses de tout ce qui était, tous les mouvements possibles et imaginables. Les années 80, à contrario, sont des années stériles. Même musicalement, en fait. Oui, mais stériles parce que pourquoi ? Parce que les marchands du temple sont arrivés. Les marchands sont arrivés dans le temple et ils ont compris. Dès qu'un mouvement, une grande folie s'arrête, qui récupère la folie ? C'est les marchands. Et dès que les marchands s'y mettent, j'ai une haine profonde des marchands. C'est pas une haine, c'est un mépris plus qu'une haine. C'est dès que les marchands sont là, on peut plus rêver. Ça ne rêve pas un marchand. Si un marchand de tapis rêvait, ça se saurait. C'est pas vrai. Mais ce qui est grave aujourd'hui, et c'est peut-être pour ça qu'on vit une époque entre guillemets creuse, c'est qu'il y a beaucoup plus de marchands, il n'y a presque que des marchands. Ah, bouge pas, ça s'arrête. Ça y est, c'est fini, c'est en train de s'arrêter. J'espère. C'est en train de s'arrêter. Ce mouvement-là est fini, ça y est. Puisque ça ne peut pas faire illusion longtemps. C'est-à-dire que les marchands, ils sont arrivés, comme à la fin des fêtes, tu vois encore des mecs qui vendent des cacahuètes. Qui vendent des cacahuètes comme ça. Non, non, ça ne peut pas faire illusion longtemps. C'est en train de se terminer. Ça se termine avec les années rock, c'est-à-dire les années stériles, quoi. Alors toi, donc on parle du Big Bazar et les copies qu'il y a aujourd'hui, qu'est-ce que tu en penses ? Du Big Bazar. Enfin, non, il n'y en a pas. Pas vraiment des copies, je pense pas, on ne refera jamais ça. Mais il y a un esprit, enfin je veux dire... Je veux que tu me le dises, toi, c'est pas moi à le dire. Il y a des choses qui doivent te oui, troubler. Mais ça m'intéresse pas vraiment. Non, c'est pas intéressant. Ça m'intéresse pas vraiment. Ce qui m'intéresse, si tu veux, avec le recul, c'est... Ce qui m'intéresse avec le recul, c'est que un mouvement comme ça, le Big, qui est forcément porté par quelque chose. Si ça n'avait pas tapé dans la cible, je dis bien, alors qu'on n'avait pas choisi de cible, on ne savait même pas qui c'était, alors on ne savait pas pourquoi on travaillait au début. C'est à partir du moment où il y a un terrain fertile dans lequel s'implante un artiste comme le Big Bazar, ce qui est important, c'est que ça a donné des chansons. Mais il n'y a que ça qui m'intéresse. C'est que ça fait créer, que ça fait...
du matériel qui sort et du matériel à chanter, du matériel à rêver, du matériel à imaginer, du matériel comme ça, qui fait que on fait une semaine au mois dix ans après, 88, et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont encore imprégnés de ça, avec des mômes qui ont 14 ans, qui n'ont pas connu, et qui sont aussi imprégnés des mêmes trucs, que ça leur vienne par les parents, je ne sais pas d'où ça leur vient, mais ça existe encore. Alors ce que j'ai ressenti dans la salle en tant que spectateur, c'est vraiment, oui, effectivement, la salle vibrait à tous ces morceaux d'il y a 10 ans en arrière, toi aussi d'ailleurs. Oh, bien sûr, et puis ça vibre. J'ai trouvé que tu les chantais avec tes tripes. Mais parce que je les chanterais beaucoup mieux maintenant que je ne les chantais pendant le Big Bazar. Et ça, c'est dû à l'arrêt. Je te dire, si je devais tirer une conclusion, une vraie conclusion de ce qui s'est passé ces 10 dernières années, je te dirais, il n'y a qu'un truc dont je suis véritablement content et fier, c'est d'avoir réussi mon arrêt. Tu sais, quand tu arrêtes et tu repars, tu n'as pas ça d'amertume, tu n'as pas ça d'aigreur, t'es neuf, tu repars avec un enthousiasme identique, sinon plus fort. Je vais te dire pourquoi plus fort, simplement parce que ton énergie ne part plus dans tous les sens. Tu as appris, simplement parce que tu as pris de la bouteille, à dire mon énergie, maintenant je sais où je la mets et comment je la mets. Y a une chanson sur scène, moi, qui m'a fait vibrer. Qui est pas toute neuve, qui t'a été fait il y a quelques années, qui, tu le dis sur scène, qui n'a pas marché à l'époque. 2 ans exactement. Il y a 2 ans, et elle est, pourtant elle prend au trip, elle s'appelle Librement. Oui. Alors Librement, elle a été faite par un jeune auteur qui s'appelle Brice Holmes, qui a 26 ans, il va bien finir par avoir 27 ans maintenant, qui est un futur énorme mec. Futur énorme auteur. Ça peut paraître bizarre aux gens qui entendent ça, parce que des auteurs, il y en a plein. Il y a plein de mecs qui font des chansons. Bon. J'ai travaillé avec quand même des très grands. Oui. Delanoë, entre autres. Maurice Vidalin, énorme, immense poète. Alors que Pierre est un auteur de chansons. Delanoë est un. Vidalin est un. Est un poète. Poète. C'est-à-dire qu'il a une vision poétique des choses, plus qu'un poète. Chaque fois qu'on dit poète, on a la rime qui vient au bout, c'est pas intéressant. C'est la vision poétique. Il a un monde à lui, il avait un monde à lui. C'est un mec que je regrette énormément. Puis je travaille avec le Mel aussi. Oui, on l'a vu aussi avant le spectacle. Avec Claude. Et lui dit, moi j'ai pas eu la chance. On a fait des choses fabuleuses avec toi. Mais il dit, bah, moi ça n'a pas marché sur les disques. Par contre, sur scène, Claude, ça a marché, oui. Ah ouais, mais il m'a fait un chef-d'œuvre. Il m'en a fait un ou deux. Hein. Il vient de t'en refaire un qui s'appelle Saxo. Saxo qui fait un malheur sur scène. Ouais. Oui, je pense que c'est une bonne chanson, effectivement. Ouais. C'est une chanson qui est bien, puis qui traduit bien exactement ce que je veux. Il y a un moment, c'est comme ça que c'est parti. J'ai eu envie de rendre hommage au Saxo, quoi. C'est un instrument, c'est le seul instrument qui a la voix humaine. Hein, il est dans la même tessiture que l'homme. Et j'ai eu envie de personnaliser l'homme. Dans ce cas-là, il faut effectivement pas dire n'importe quoi, mais faut. Alors c'est à la fois un instrument, c'est à la fois un homme. Et c'est un homme et un sax dans le fond du décor, quoi. C'est un homme et un sax à la vie et à la mort. Et Claude a fait un beau texte qui me plaît bien et qui fait que cette chanson, qui pourrait être un peu gadget, se trouve enracinée quelque part. Et ça, alors moi, les chansons enracinées, j'aime ça. J'aime pas les chansons qui passent, dont on se débarrasse. Je pense que Saxo, on la chantera longtemps. Oui, sûrement. Ouais. Ça, c'est une chanson plus de scène, hein, faut le dire. Oui. Mais sur le disque, elle est pas mal réussie. Je connais avant vous ce qu'il y a sur le disque, et je crois que c'est pas mal réussi. C'est vrai que actuellement, il faut s'occuper un peu du son. Alors, c'est une espèce d'ambiance comme ça. Mais c'est une bonne chanson de scène, et c'est. C'est bien parce que je suis très sensible au sax. Michel, sur scène, tu fais un one-man show, mais il y a quand même 13 personnes. Oui. Alors je voudrais que tu m'expliques un petit peu pourquoi. Ben non, c'est un one-man show. En fait,
mais c'est un one man show à 13. C'est-à-dire qu'en fait, je réponds, je montre un bonhomme qui a fait des chansons, grosso modo. Un bonhomme qui raconte des choses que n'importe qui pourrait raconter. Je suppose que n'importe quel mec qui a n'importe quel autre métier pourrait dire la même chose que moi. Et pratiquement, si ça se traduit pas en chanson, ça se traduira dans ce qu'il a fait dans sa vie. De la même manière, il aura les mêmes étapes. Il va dire ce qu'il est, ce qu'il fait. Et Dieu sait que je dis pas tout. Et que le prochain spectacle, c'est le bon. C'est-à-dire celui-là, celui où je dirai tout. C'est pratiquement le dernier qu'il y aura. C'est pas plus que ça. C'est pour ça que c'est un one-man show. Alors que le Big n'était pas un one-man show, c'était un truc à plusieurs. J'étais un dispatcher, je faisais intervenir les uns et les autres parce que jusque-là, à ce moment-là, je n'étais pas... je me sentais pas assez fort pour... j'aurais trouvé ça déplacé en plus de prendre la vedette et de dire tiens, voilà, me voici. Là, je dis pas me voici, me voilà, j'ai pas l'impression de le dire en tout cas. Dites-moi si je me trompe, mais simplement, c'est encore une sorte de bilan, c'est-à-dire, c'est comme ça, un bonhomme qui se présente et je dois dire que la différence avec le Big Bazar, c'est que les rapports qui existent entre tous les gens de cette troupe sont des rapports affectifs. C'est mêlé un autre truc entre-temps, c'est le respect. C'est-à-dire qu'ils sont très respectueux de l'homme que je suis, de l'artiste que je suis, si tu veux. Mais sans plus, hein. C'est-à-dire on vit ensemble, on se marre ensemble, on déconne ensemble, j'ai le même âge qu'eux, je te jure. Et simplement, effectivement, je sais faire plus de choses que je ne savais en faire pendant le Big Bazar. Je sais plus parler aux gens qui sont devant, simplement parce que peut-être ils m'ont manqué, et peut-être parce que je pense que le plus important, c'est eux. C'est-à-dire, quand je dis c'est eux, c'est-à-dire c'est que je suis là pour leur faire le même rêve que moi, et que c'est eux, ils le rêvent avec leur vie. Moi, je fais le rêve avec ma vie, c'est-à-dire avec mes objets. Eux, ils le font avec leurs objets. Et ça, ça n'a pas de prix. Ce qui me paraît très important, c'est qu'à la fin de ce siècle, et au début du millénaire prochain, et on y est là, hein, les enfants, hein, pas déconner là, ce qui me paraît très important, ce qui me paraît très important, c'est que on a besoin de chaleur, les uns et les autres, et que cette chaleur là il faut bien que quelqu'un la dispense. C'est pas le distributeur de billets qui va la donner, c'est pas l'embouteillage qui va le donner, c'est pas la technologie qui va le donner. Il n'y a guère que les artistes qui peuvent le donner. C'est à nous d'être des points chauds, c'est à nous d'être des points de chaleur vers lesquels les gens viennent, et à partir de ce moment là échanger, ça veut dire se parler. Et quand je disais aujourd'hui, parce que ça m'a échappé, c'était la dernière, mais je ne sais pas faire un spectacle sans parler aux gens, parce que ça me fait chier, j'ai pas envie de rester seul sur ma scène. Ce que j'allais dire, tu es incapable de venir et de chanter 10, 15, 20, 30 chansons. Absolument, en enchaînant, en attendant que je n'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Si c'est ça, c'est ciao, il y a malentendu. Les trucs qui sont entre les chansons ne sont faits que pour se rapprocher les uns des autres, basta, c'est pas plus que ça. Et puis on s'apprivoise les uns les autres. Il faut quoi, une demi-heure pour s'apprivoiser? C'est déjà super, c'est déjà tellement peu de temps. Une demi-heure pour s'apprivoiser, à partir de là on peut se dire tout ce qu'on veut, et ça finit par on est tous debout et on chante tous ensemble. Ça n'a pas de prix, et ça le public le vit, ça. Et putain, alors j'ai réussi, merde. Tu finis l'Olympia, oui. T'es en vacances, mais pour combien de temps? Pas 10 ans, j'espère. Un mois. Hein? Et après? On part en tournée le 1er mars. Ouais. Alors, je vais dire quand même un truc, parce que ça a surpris au début les gens, puis je leur ai expliqué, et maintenant ça ne les surprend plus. Quand on a fait l'Olympia, là, on a commencé mardi le 26, et j'étais très insatisfait. Très, très. C'est-à-dire que ça marchait, ça fonctionnait l'enfer. Les gens étaient debout dans la salle, ils chantaient et tout, et je n'arrivais pas à avoir de bonheur. C'est-à-dire j'arrivais pas à avoir le bonheur que les gens avaient. Alors je me suis dit, putain, mais pourquoi? J'ai même été inquiet. Je me suis dit, attention Fulien, est-ce que tu ne deviendrais pas simplement efficace?
C'est-à-dire l'espèce de truc qui fait que tu arrives et puis tu dis je vais faire ça et ils vont faire ça, tu vois. Le métier, quoi. Le métier, l'horreur, quoi, l'horreur totale. Les automatismes. Et je te jure, ça m'a posé problème. Ça m'a empêché de dormir, ça m'a empêché. Parce que je suis pas simple, ok ? D'accord. Mais, ça, tu vois, ça me faisait vraiment chier. Et puis, la vérité s'est fait jour petit à petit. Et elle est sortie et j'ai fini dimanche, donc, heureux comme un fou parce que je savais, j'avais trouvé. Et la solution est simple. C'est qu'en fait, cet Olympia est le coup de crayon qui ferme la parenthèse de 10 ans. Aussi vif et aussi rapide, si tu veux. C'est-à-dire que pendant 10 ans, il y a eu un arrêt. Quand tu ouvres une parenthèse, ça ne se voit pas. C'est quand tu fermes que ça se voit, la parenthèse. Bon, il y a 10 ans, effectivement, que j'étais pas monté sur une scène parisienne, mais en gros, une scène à spectacle. Et puis c'est passé par plein de choses, c'est-à-dire qu'il y a eu des trucs bizarres, des arrêts, des pas arrêts, de la remise en condition, des mouvements étranges. Et puis, ça s'est terminé par l'Olympia. Et cet Olympia, c'est la fermeture. Maintenant, on est au départ. C'est-à-dire qu'on a dit, il est mort. Et je dis non, il n'est pas mort car il bande encore. Non, mais c'est pas des blagues. Ouais. Et c'est ça. C'est maintenant, on est au départ, on est au début. Puis si, pour reprendre ton truc, je crois que t'es rassuré, le public bande encore pour Fugain. Oh, c'était tellement génial. Merci Michel. Ciao.